La France nous permet d'avoir un enseignement de qualité et des diplômes reconnus partout dans le monde. J'ai servi pendant 25 ans dans la Marine nationale. Pour la protection de ses intérêts dans le Pacifique, la Nouvelle-Calédonie a besoin de gros moyens que seule la France peut lui apporter. La France permet que la justice soit la même pour tous, et pas au bénéfice de quelques-uns. La France m'a sauvé la vie. Elle permet d'avoir un système de santé accessible à tous. Au moment de la crise du nickel, la France a sauvé la SLN, elle a sauvé nos emplois. La France, c'est notre assurance vie. La France, elle nous protège de l'extérieur, mais elle nous protège aussi de nous-mêmes. En 2018, pour la première fois depuis 30 ans, les Calédoniens vont avoir la possibilité de s'exprimer pour savoir s'ils souhaitent l'indépendance ou le maintien de la Calédonie dans la République. Vous connaissez mon engagement pour la Calédonie dans la France. Si je suis élue députée, je mettrai toute mon énergie pour que nous gagnions le plus largement possible ce référendum, mais qu'au-delà, nous construisions enfin un vrai projet commun pour la Nouvelle-Calédonie.